Il serait allé le récupérer, donc ça veut dire qu'il faut être plus patient, plus précis pour lui adresser les ballons. 9 joueurs. Oui. 9 changements. Et sur le côté droit, en défense. Oui. Oui, c'est le but, hein. Voilà. Allez, Tan Mbappé. On va quand même des impacts plus puissants au niveau physique. Et donc, ça nous donne quand même le potentiel athlétique, technique, de course, de déplacement, de récupération. Vraiment des compositions. Garbig, là, il doit apprendre à mieux se concentrer. Là, il a déjà pensé à la frappe alors qu'il n'avait pas encore percutant du fait des gabarits. On le voit ici, encore une fois, avec Bernat, par exemple. Ah, le ballon, ouais, c'était pas mal fait avec la récupération, le contrôle. Ouais, bien joué ça. Pour déstabiliser la défense du PSG. Ouais, c'est bien fait ça. Il est parti, mais parti non pas à la limite. Il est bien parti en position de hors-jeu. Et Mbappé. Ouais. Récupéré. Toujours musclé dans les duels. Bah, là, il a été bougé cette fois-ci. Ça sera un ballon récupéré. Ouais, dans les 1 contre 1. Il y a du gabarit en face de lui. Et on se rapproche des 10 dernières minutes avec de nouveau Garbi. En retrait, Mbappé. Pas de Parisien à la reprise. Ballon dégagé. Et Mbappé. Avec qui? Ouais, c'est bien fait ça. Là, dans le sens du jeu. Un peu au but. Hein, oui, direct. C'est pour ça. Donc ça m'étonnerait qu'il la tente. Là, il reste à 1 mètre de Fabian Ruiz, donc il ne peut absolument pas lui donner un bon ballon, Fabian Ruiz. Ces jeunes joueurs, il y en a certains qu'on connaît, mais... Waouh. Donner un petit peu trop facilement ce ballon en retrait à Donnarumma, mais le ballon était trop juste, trop court. Ça, c'est grosse erreur, évidemment. Par rapport à l'entrée de Neymar, sûrement, Tony. Ouais, je sais pas. En tout cas, il y a eu une clameur, quelques regards tournés derrière. Donc, il a dû se passer un petit truc. Ougarté. Allez, Mbappé. Et Mbappé. Ah, chercher à faire la diff. Le Parisien qui a été le plus entreprenant. Oui, l'homme du match. Voilà, le plus en vue, tout simplement. Vraiment.